Mais aujourd'hui, à Carbignoux, sont réunis les principales, les Chirelles, les forces vives de Guérande. Il fait beau, l'ambiance est sympathique, on a des petits stands bien préparés qui nous attendent. On croise sans arrêt des gens, des têtes connues, on échange. C'est un rendez-vous qui pourrait devenir incontournable. Ben, tout est fait pour effectivement rencontrer un maximum de monde, pour nous rencontrer aussi les autres associations, et puis comparer nos actions, et puis avoir quelquefois des actions communes. Ben, nous, ce qu'on attend du forum, c'est d'être connu, d'être, de véhiculer notre activité. Et je trouve que l'organisation est vraiment superbe, et ça amène pas mal de monde. Je suis ravie de participer à ce forum des associations qui va permettre aux différentes associations de la ville de se rencontrer. Nous avons déjà pris contact avec des associations pour organiser à l'AVF des soirées à thème, ce qui permettra aux nouveaux arrivants de Guérande de connaître également à nouveau ces associations. De tous nous regrouper, permettre de voir un public différent, aussi des gens qui seraient venus pour d'autres associations et puis qui nous découvrent par cet intermédiaire-là. Et puis nous-mêmes de découvrir ce que font les autres associations locales. Et puis le fait de pouvoir se diffuser aussi, de se montrer plus précisément auprès des personnes intéressées. C'est très bien organisé parce que la mairie a pris ça en charge et puis nous on a pu s'installer. Donc je pense que ça va être bénéfique pour notre association, en tout cas pour cette journée, quoi. Je suis satisfait parce que les associations peuvent proposer leur capacité d'occuper les enfants, les adultes et tout ça. Les Guérandais peuvent venir faire entre guillemets leur marché. Et on arrive aussi à voir qu'il y a des communications qui se font entre les différents stands